Good morning, Aleid, et je suis aujourd'hui le Nishmat, François Fajri Ben Hana, Janine Ruth Batfortin Mazel Fitna, Claude Shlomo Ben Shalom et Nishaya Ben Linda. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Brachot, Perek Bet Mishnah Alef. Haya Kore Batora Vehigiaz Man Amika. Im Gileni Bo Yatsa. Ve Im Lav Lo Yatsa. Ba Perekim, Shoel Mipnei Akavod Meshiv. Uva Emsa. שואל מפני העירה ומשיב, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, רבי יהודה אומר, באמצע שואל מפני העירה ומשיב מפני הכבוד, בפרקים שואל מפני הכבוד, ומשיב שלום לכל אדם. דו סוג'ית דונות משנה. תודה בו, היה קורא בתורה, לטנטרן דוליר לתורה, ופי דנקו והגיע זמן המקרא. Et est venue l'heure de lire le Kriyat Shema du matin, ou du soir, peu importe. Il avait un chumash, imaginez, le soir, selon le minhag, de lire le Parashat Dvarim, la veille de Hoshana Rabba. On a tous le minhag de lire, chumash Dvarim. Et puis il a commencé à lire, depuis la tombée de la nuit, il a commencé à lire, à lire, à lire, à lire. À lire. Et entre temps, il a passé, il va être un an, il a lu le Kriyat Shema, il a continué, Ekev. Il arrive, on se dans le parasha de Vaya. Il regarde l'heure, il dit ah, j'ai lu le Kriyat Shema. J'ai peut-être pas besoin de relire le Kriyat Shema. Je suis pas pressé de lire, j'ai déjà accompli ma mitzvah. Aya courait ba Torah. Il était en train de lire la Torah. Vigyazman mikra. Et l'heure de lire le Kriyat Shema était déjà venue. Alors la Mishnah me dit Im kiveni bo yatsa, vi im lav lo yatsa. On a deux interprétations à cette phrase, mais je la traduis d'abord. Im kiveni bo. S'il a fait, il a eu une intention explicite. Il a prévu, il a lu avec intention explicite, yatsa, il s'est acquitté de sa mitzvah. Ve'imlav, lo yatsa, et sinon il ne s'est pas acquitté de sa mitzvah. On a deux interprétations de cette Mishnah, ça dépend d'une machloket fondamentale. Est-ce que mitzvot trichot kavana ou mitzvot einan trichot kavana? Est-ce que accomplir une mitzvah, il faut nécessairement avoir une intention d'accomplir la mitzvah ou bien on l'accomplit même si on n'a pas eu d'intention explicite? Imaginez quelqu'un qu'à Soukhot, il a vu un loulav posé, son loulav posé, il l'a pris comme ça pour regarder ce qu'il était beau, et il le repose. Et d'un coup, il est. Après, on lui dit eh, mais t'as pas fait. Est-ce qu'il s'est acquitté de sa misote loulav de la sorte? Il a pris son loulav sans intention d'accomplir, il n'a pas voulu. Il n'a pas eu d'intention explicite d'accomplir sa mitzvah, il n'a rien eu. Est-ce qu'il s'est accompli de sa mitzvah? Il y a une mitzvah, une marquette fondamentale. Est-ce que mitzvot trichot kavana, est-ce qu'il faut avoir une intention de s'acquitter de sa mitzvah pour s'en acquitter? Ou même mitzvot enan trichot kavana, dès que tu as fait l'action, tu t'es acquitté. Même principe pour le Kriyat Shema. J'ai lu. J'ai lu comme ça tout le Kriyat Shema, sans avoir aucun moment l'intention de lire ce texte-là avec intention de m'acquitter de ma mitzvah. Est-ce que je m'acquitte ou pas? Au sens simple, la Mishnah vient m'enseigner ça en me disant oui. Im kivenibo, si tu as eu intention, tu t'es acquitté. Si tu as plus l'intention de t'acquitter, tu ne t'es pas acquitté. Parce que mes autres trichot kavana, c'est au sens simple, c'est la Mishnah qui me dit comme ça. Et réellement, comme ça, elle est retenue à l'alakha. Il faut avoir une intention d'acquitter sa mitzvah pour s'en acquitter. D'accord? Maintenant, il y a un avis qui pense que mitzvot est une trichot kavana. On n'a pas besoin d'intention explicite pour accomplir sa mitzvah. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle vient de dire cette Mishnah qui vient de Nibo, Olo qui vient de Nibo? On parle d'autre chose. On parle qu'en réalité. C'est, vous savez par exemple, vous avez déjà vu un sofer qui va vous vérifier une mezouza pour dire, pour voir est-ce qu'elle est kshera ou pas kshera. Il va l'ouvrir, il va lire avec des mots complètement tordus. Parce qu'en réalité, vous savez, dans la Torah, quand on dit mezouzot, on n'a pas ajouté un vav pour le mezou, et puis on crée un autre vav pour le mezouzot. Des fois c'est comme ci, des fois c'est comme ça, d'ailleurs je le connais un peu par cœur. Les totafot, regardez les totafot entre la première paracha et la deuxième paracha, une fois c'est avec un vav, et une fois c'est sans vav, donc les tatafat. D'accord? Maintenant un sofer, lui, il a l'habitude par exemple de lire en déformant les mots. Comme ça il sait ce qu'il faut rajouter un vav ou il ne faut pas rajouter un vav. Lorsqu'il n'est pas, quand il a compris sa mitzvah bien sûr. Mais quand il va regarder une mezouza, ce qu'elle kshira, il va la lire, il va lire des fois les tatafot, les tatafat. Mes azotes, comme ça il sait ce qu'elle a été écrite comme il se doit. Alors c'est ce que la Mishnah vient me dire, d'après l'autre mandama, d'après la vie qui pense que Mizot a une sikhot kavana, dans ce cas-là, im kiven nebo, ça veut dire est-ce qu'il a eu l'intention de faire attention quand il lit la mitzvah? Parce que si par exemple il était sofer, on lui a donné une mezouza à regarder, et puis il l'a lu, et puis il réalise qu'en réalité il aurait pu accomplir la mitzvah de Kriyat Shema,
Est-ce qu'il s'en a guidé ou pas? Alors la réponse, elle est, si tu as fait attention à la lire, comme il se doit, sans déformer les mots, tu t'as quitté ta mitzvah. Sinon, tu t'es pas quitté ta mitzvah. D'accord? Ça, c'est pour la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah. Je traduis, et après on explique. Ah, il y a une marloquette, c'est pas compliqué, les mots, ils ont l'air compliqués, mais en fait, c'est très simple. Baprakim, Shoel, Mipena, Kavod, Mishiv. Au milieu, et plutôt, entre les prakim, entre les séquences, Shoel, Mipena, Kavod, Mishiv. Il peut demander, il peut saluer quelqu'un qu'il est imposé de respecter, et même lui répondre. Et bah, emtsa, et s'il est au milieu, en plein milieu d'une paracha ou d'une séquence qu'il est en train de lire, Shoel Mipneaira ou Meshiv, il pourra même s'interrompre pour saluer quelqu'un qu'il a imposé de craindre et lui répondre. Divrei Rabbi Meir, tel est l'avis de Rabbi Meir et Rabbi Odormer. Peut-être je m'arrête d'abord, j'explique d'abord de quoi ça parle. C'est pas compliqué. Il y a deux sujets. On est en train de savoir, est-ce que quand on a accompli, quand on est en train de faire une tfila, quand on est en train de lire les brachot du schéma, ou en train de lire concrètement le schéma, on n'a surtout pas le droit de s'arrêter pour parler de quoi que ce soit. Maintenant, pour saluer quelqu'un, alors, on a trois types de personnes. Il y a les personnes qu'on est imposant, qu'on craint concrètement. Imaginez un roi ou un prince, goy, le sultan, le pécha, ouais. Commencez à ne pas lui répondre quand il vous dit bonjour, vous allez voir ce qu'il va vous rester de vous. Sur ce coup-là, il va peut-être fermer les deux, commencez à lui. Il ne va pas être patient. Donc du coup, il faut s'arrêter pour le saluer. Tu le crains. D'accord? Et donc on a déjà. Donc on a les personnes que tu crains. On a les personnes que tu es imposé de respecter. C'est qui? Ton père, ou ton rav, ou n'importe quel tamitram qui est plus grand que toi. Tu dois le saluer. Mitzvah d'être mechabed. Le père, Mechabed le Rav, et Mechabed le Talmid Chachamim aussi. D'accord? Et le Rav Talmid Chachamim, qui va être Mechabed le Talmid Chachamim. Donc tu dois t'imposer pour le saluer. On n'a pas le droit au milieu du schéma de s'arrêter pour saluer quelqu'un. Mais pour saluer quelqu'un que tu as imposé du Kavod, alors tu as dans certains endroits le droit de t'arrêter pour lui dire Shalom Alecha Ravi, ou Shalom Alecha Avi ou Mori. D'accord? Et il y a, à part ça, les autres personnes. Alors selon Rabbi Meir, ça se passe comme ça. Selon Rabbi, ouais, Rabbi Meir, le premier Rabbi. Ça se passe comme ça. On a dit, on s'intéresse de toute la séquence. Depuis qu'on commence le Yotzer, on a toute la bracha, Baruch HaTashem Yotzer Bor, jusqu'à Baruch HaTashem Yotzer Amorot. On commence là-bas, Ahava Tolam Avotanu, Baruch HaTashem, Abokha Baruch Yisrael Be'ahava. Après, on a Shema Yisrael jusqu'à la fin de Vayim Shamoa, jusqu'à Ovisharecha. Après Vayim Shamoa, on apprendra tout ça dans la deuxième Mishnah, dans les détails. Vayim Shamoa jusqu'à Vayomer, Vayomer jusqu'à Emet Vayatsil, ce sera une discussion. Puis après, on a. S'il y a le soir, Gal Israël avec Ashkivenu, encore une fois. Ça, distinguez bien. Il y a les entre les séquences et au milieu des séquences. Selon Rabbi Meir, en plein milieu d'une séquence, tu ne peux t'arrêter que si tu as peur que. Si tu es imposé que, par la crainte de quelqu'un, d'une personne qui peut, à un moment, en avoir assez de toi et commencer à faire du mal parce que tu ne réponds pas à chaque fois que tu t'occupais avec ton Dieu en train de lui dire schéma. Tu peux dire bonjour, hein, d'accord, il va, donc à la fin, à la longue, ça va te porter préjudice, ça peut mal se passer. Donc dans ce cas-là, tu as le droit d'interrompre en plein milieu, vient d'un coup le gouverneur de la ville, shalom aleichem, yom alevavecha. Je m'interromps pour dire Shalom Aleichem et je continue après mon Mishnah en plein milieu. À plus forte raison que si c'est lui qui m'a dit bonjour, je pourrais aussi lui répondre. Mais mieux que ça, j'ai même moi le droit de devancer et de lui dire bonjour. Mais que d'une personne que je dois craindre. Que je crains. Par contre, d'une personne que je suis en posé juste de respecter, je ne m'interromps pas au milieu. J'attends d'arriver au Vishaharecha et après, avant de commencer Vayem Shamoa, je vois mon père, je vais lui dire Shalom Aleichem Avi Omori, Shalom Aleichem Rabbi Omori. Si c'est mon maître, mon rave, ou un tel tracham, shalom aleichem. J'ai le droit de m'arrêter. Concrètement, on n'a pas l'habitude du tout de s'arrêter, mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui s'arrête pour dire shalom aleichem à son rave. Il n'en est pas question, je ne me voyais pas devant Rabbi Shmuel Auerbach de m'oser m'arrêter. En plein milieu du schéma pour lui dire bonjour, je pense qu'il m'aurait sorti son sabre pour me sabrer la tête, de faire une chose pareille.
Mais je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se tenu. La halakha, concrètement, j'ai comme Rabbi Yehuda, mais je sais pas. C'est plus d'usage, je sais pas pourquoi. Je chercherai l'occasion peut-être avant la prochaine Mishnah, je vais voir si j'aurai le temps, mais en fait, donc je recommence. Selon Rabbi Meir, en plein milieu d'une bracha, en plein milieu d'une séquence, au milieu d'une séquence, tu t'arrêtes que devant si tu crains. Entre les séquences, tu t'arrêtes pour quelqu'un que tu as imposé de respecter, ton rave, ton père, ta mitracham. Aucune distinction, est-ce que c'est toi devancer l'appel ou répondre quand une fois qu'il t'a déjà dit bonjour, la même chose. Même ton père qui dit bonjour au milieu du Shabbat, tu ne lui réponds pas. Même pas par la tête, vous savez. On peut l'envoyer chez moi, mais pour la faire un signe à la tête. Mais entre les deux, on aura ça à faire. Maintenant, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il dit non, ça ne se passe pas comme ça. Ça va se marcher en escalier. Rabbi Yehuda, il dit non. Baem tsa, shoel mipna ira ou meshiv mipna kavod. Baprakim, shoel mipna kavod, ou meshiv shalom lechol adam. Je traduis d'abord que baem tsa, au milieu d'une séquence, tu peux demander, saluer quelqu'un que tu crains, qui va se fâcher, et même meshiv mipna kavod, et même répondre devant quelqu'un que tu as imposé de respecter. Ça veut dire, tu vois ton père arriver. En plein milieu du schéma, t'es Vayam Shema Tishmo Mayom, ton père arrive, tu t'arrêtes pas pour lui dire bonjour. Il dit, mais s'il te dit Shalom Beni, alors là, c'est lui qui a ouvert, tu as le droit de lui répondre. C'est ça, Shoel Mipne Aira ou Meshiv Mipne Akavod. Tu demandes, tu salues quelqu'un, on dit demander la paix. C'est pour ça qu'on dit Shoel Mipne Akavod. Shoel Shalom. Tu demandes, tu salues quelqu'un que tu crains. Et tu réponds à quelqu'un que tu as imposé de respecter. Et Bapakim, entre les séquences, alors là, on baisse le niveau, et Shoel Mipne Akavod, tu pourras même saluer ton père, si tu es entre les deux séquences, et Meshiv Shalom Lechol Adam, et si n'importe qui t'a dit bonjour, tu pourras à ce moment-là même lui rendre à n'importe quel homme, que tu dois aussi, qu'il faut respecter même son prochain. Alors là, tu es entre les séquences, tu as le droit même de t'interrompre pour lui répondre. Pas pour le saluer toi, a priori. D'accord, c'est clair? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine, ça raconte tout, ça va.